ゼルダ無双、厄災の目視録。前回までは行くぞ。あはそう、trop mignon。 Au secours, au secours, le frère et la sœur。 Oh la vache。 Oh Link, mon amour。 Attention chérie。 それにしてもこんなに立派になったシノと一緒に戦えるなんてね。俺も。さあ、今は戦いに集中しないと。準備できてるよね。もちろんだぞ。Ah, j'en ai les larmes aux yeux, au secours. Putain. Regarde bien. Oh, mais qui te coupe? Hi! Olé! Alors, toi, t'as été deux fois plus corrompu par la baffe de Ganon. Shinjitsu wa kono saki ni. Je me suis un petit peu plus familiarisée avec la manière d'augmenter les armes. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillée, en tout cas pour l'épée de légende, j'ai fait un truc, je pense, qui est pas mal. Parce qu'il y a tout, voilà. Il y a tout qui brille, je suis assez contente, ça m'a pris pas mal de temps. Parce que ça coûte assez cher, j'ai pu l'augmenter aussi, vous voyez que son niveau maximum est 25. J'ai du mal à l'augmenter plus en ce moment parce que, comme je l'ai dit, voilà, ça coûte très très cher, donc je suis contrainte de refaire je sais pas combien de fois la même mission pour gagner des rubis, et ça part très 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 vite. J'ai commencé à essayer de m'occuper un petit peu des autres, notamment de Rivalu, pareil, que j'ai augmenté son arc de l'aigle avec des capacités qui m'intéressaient, et je crois qu'après je suis partie sur Teba, mais comme Teba il est encore très bas niveau, il n'a pas beaucoup de voilà, capacités que je peux lui mettre, donc ça va être un petit peu plus long. Mais ça y est, j'ai pigé le truc, je pense que ça va être pas mal. Alors, on a plein de petites choses à faire, c'est parti. Valse d'anniversaire. Une grande fête va être organisée en l'honneur de l'anniversaire d'un vieillard Korogu. La fête va se terminer par une valse et Noya a besoin d'objets pour répéter la danse avant le jour J. La valse harmonieuse exécutée par les Korogu a enchanté le vieillard et la fête s'est déroulée avec succès. La 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 la, Noya est très reconnaissant. Ah, cool! Oui, ça peut être pas mal parce que vraiment Link à chaque fois il a 3 tonnes d'armes. Attends un petit peu MG6, on a d'abord des petites missions à faire, on va s'occuper en priorité de Teba. Une corde d'arc surpuissante. Selon un artisan réputé du village Piaf, un matériau végétal spécial permettrait de renforcer la corde des arcs. Au vu des combats qui s'annoncent, il serait sans doute bon d'en avoir sous la main. Maintenant que la corde de son arc a été renforcée, Teba a mis au point une nouvelle technique. Il attend les monstres de pied ferme pour pouvoir la mettre en pratique. Cool. Au plus profond de la nuit. Ça me fait penser... Ah mon dieu, si vous connaissez Anastasia, la chanson du méchant, la Raspoutine, avec toutes ces petites créatures, y a pas un truc où il chante au plus noir de la nuit, ta-da-da-da-da, un truc comme ça. Je sais pas pourquoi, ça a pompé dans ma tête tout de suite. Au secours. Teba ne néglige jamais l'entretien de son arc, mais il doit s'interrompre une fois la nuit tombée. Bah forcément, ça serait bien qu'il dorme. S'il avait une source de lumière à portée de main, il pourrait continuer à travailler le soir. Alors, je suis totalement contre cette idée, parce qu'il faut dormir la nuit, Teba. Hein, si tu t'entraînes déjà le jour, ça suffit. Je suis pas sûre de vouloir encourager ce genre d'initiative. Oh. Si tu tombes malade, te plains pas.
Grâce à la lumière des lucioles, Teba a pu se concentrer sur l'entretien de son arc. Il était si calme que les lucioles n'ont même pas essayé de s'enfuir. On va te surveiller, toi, parce que le burn-out, il te guette. Cadeau surprise. Souhaitant pouvoir aider les guerriers du village, un jeune piaf s'entraîne chaque jour avec acharnement. Son père veut lui préparer une récompense sans qu'il ne se doute de rien. Trop mignon. Grâce aux matériaux que vous lui avez fournis, le père a pu préparer une récompense pour son fils sans qu'il ne s'en rende compte. Les larmes de joie du fils semblent avoir ému Teba. Trop mignon. Nice! Oh, attention, on est pas loin, pas loin, pas loin. Je crois que de toute façon, ici, on n'a plus rien. 67%! On a tout fait ici, c'est très bien. On va passer chez les Gorons. Je crois qu'on n'a rien en mission annexe pour le moment, donc on va continuer ça. Combat de Sumo Goron. Pour distraire des soldats alliés épuisés par les combats incessants, les Gorons vont organiser un tournoi de lutte Goron. C'est un sport assez violent. Préparez des matériaux au cas où. Le tournoi de lutte Goron a eu un grand succès. Admirer ces confrontations de deux âmes a remonté le moral des troupes alliées. La lutte Goron pourrait bientôt être la nouvelle mode. Cool. Recherche de la bonne saveur. Les Gorons des galeries de la montagne de la mort n'arrivent plus à travailler quand ils ont faim. Ils rêvent d'un bon gigot de caillasse. Ça tombe bien, la recette n'a pas de secret pour vous. Ni pour les dents de Link. Un soupçon de cristal de sel, une pincée d'épices Goron, un fruit d'oiseau et vous obtenez le plus savoureux des gigots de caillasse. Les Gorons l'ont dégusté en terminant leur galerie. Super, tout le monde devient de plus en plus fort, c'est génial. Ah ! Oh oui, de la venaison divine, c'est bien ! Les habitants d'Ordine vous ont fait un cadeau en signe de gratitude. Il nous reste plus qu'un petit bonhomme à faire et je crois qu'on aura fini. 62%, enfin fini entre guillemets, parce que si on est que à 62%. Ascension pleine de vigueur. Les Gorons rivalisent pour escalader la montagne de la mort le plus vite possible. Darukelu veut tenter une nouvelle voie. Il lui faut des matériaux qui lui donneraient la vigueur nécessaire. J'ai fait tellement de trucs avec Link pour avoir 100 matériaux de chaque, pratiquement, j'y suis presque arrivée. Et là, il va falloir tout que je recommence. Grâce aux matériaux vigueur, Darukelu a escaladé la montagne de la mort en un temps record. Arrivé au sommet, il a ri si fort qu'on pouvait l'entendre jusqu'au village Goron. J'adore. Putain, 3 ? 3 ! Oh. Oui, en effet. Tu veux... Attendez, le goût d'un gardien, il veut manger... Tu veux manger un gardien ? Mais faut t'arrêter là, Yunobo, ça va pas du tout, hein. Alors, test de courage de Yunobo. Ouh là 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 là, je le crains beaucoup. Niveau 45. Mais... Est-ce qu'on tente? Peut-être qu'avec Darukelu... On va leur mettre quelque chose parce que... À mon avis, on va pas faire très mal. Donc il nous faut... dégâts infligés, remplissage de la jauge. Je pense qu'on va faire un remplissage de la jauge de coup fatal. Et je voudrais dégâts infligés plus 10%. On va tenter. Je suis pas certaine d'y arriver parce que je les ai pas beaucoup entraînés. On va tester, on va voir. Si je réussis pas, tant pis, on passera à autre chose. Allez. Je pense qu'avec Darukelu, il y a moyen. Ok. Lui déjà c'est bon. On va essayer de monter la jauge de coup fatal avant d'aller. On a 10 minutes. Ça doit le faire. Allez, on y est presque. Et après, on fonce.
Waouh. Quand même très classe. Ah, par là-bas. Oh, un Nidorok. J'ai le nez qui me patouille. Ah, je comprends jamais vraiment comment faire avec ce... Allez, c'est bon. On l'a. Oh. Trop fort, j'adore. J'adore Dagdelu, il est quand même vachement cool. J'aime pas le manier, mais il est très... Sa personnalité est... Je l'aime beaucoup, vraiment. Ah, mais d'accord, mais tu nous poursuis, toi. Merde. Pas ça que je vais faire. Oh là là là. Oui, d'accord. Oh, écoute, je vais te calmer de nouveau. Là. Allez, c'est bon. Ah, j'adore. Bon, ça va. C'était un peu long, mais on s'en est sorti. Car c'était un linel blanc quand même. On gagne pas grand chose hein, en armes. Cool. Tu veux faire ça MG6, qu'est-ce que c'est? Combattant du feu à l'étape. Limite de temps extensible. D'accord, je vois qu'il y a un objet intéressant. Alors on va faire ça, mais on va prendre Link. Non, je suis désolée, Dalkeru. Et on va prendre Rivaru. Mais évidemment. Au niveau des effets, on va... Ça. Plus dégâts infligés 10%. Normalement avec Link on a vraiment aucun souci à se faire. C'est parti my love. Renfort. Ok. Ok, on va... Alors attendez. Rivaru achi ni itte kureru ka. Soshite Link to watashi wa achi ni iku. C'est parti. OK. Done. Pas de soucis. Avec Link, je n'ai pratiquement... Non, c'est pas ça que je voulais faire. That's ok. On recommence. Viens. Oh, salut. Are you ready to die? Allez, on enchaîne. Probablement qu'on n'aura pas trop besoin de Rivaru, mais il assure nos arrières.
suis désolée, amour de ma vie. Relève-toi. Ok, bien joué. Amour de ma vie, où va-t-on? S'il te plaît, chérie, aide-moi. Par là-bas. C'est pas grave, amour. T'es le plus hot de tous, tu crains pas. Mais foutez-moi la paix! Foutez-nous la paix, ça suffit! Ok. Oh! Excuse, je suis désolée. Amour de ma life. C'est par là-bas, je vois pas bien toute la carte. J'ai la Switch qui me gêne. Mais je suppose qu'en allant par là-bas, on doit pouvoir... Allez ! Oh ! C'est pas très gentil, ça, comme accueil. Là ! Ok. Ça va être à l'aise, Blaise. Et voilà. Rien ne peut résister à l'amour de ma vie. Vous en doutiez? C'est parfait. Draco est plus beau qu'au. Très bien, très bien. Pantalon noir. Oh, c'est pour la tenue de Link noir. Au cours de ses recherches sur les monstres, le marchand de l'étang du crâne a imaginé un monstre enfanté par les ténèbres pour créer ce pantalon qui semble pourtant normal. Non, pas tout de suite, MG6, tu exagères. Alors... Approvisionnement pour le bazar. Le récif de corail fournit depuis des générations le domaine Zora en articles variés. Son propriétaire vous demande de lui apporter des échantillons de produits introuvables dans les environs. Oh, on va tellement être ruinés. Le propriétaire était ravi de vos échantillons. Il a dit qu'il allait les étudier et s'en servir de référence pour élargir la gamme de produits de sa boutique. Vous lui avez rendu un fier service. Armure au destinataire mystérieux. Un client anonyme s'inquiète de voir sa fille œuvrer tard le soir à la confection d'une armure. Craignant pour sa santé, il vous demande de lui apporter en secret les matériaux dont elle a besoin. La fille de votre client a réussi à terminer son armure sans encombre et en bonne santé. Votre client est très curieux de savoir à qui elle compte offrir son ouvrage. Certainement à Link. C'est certainement de Mipha dont on parlait. Jambière Zora. On dit que ces jambières transmises chez les Zora de génération en génération seraient faites en écailles de dragon et permettraient de nager plus vite. Trop bien. Festin de plat électro. Les Zora sont connus pour leur faible résistance à la foudre et les remèdes électro n'ont que peu d'effet sur eux. Et si un seul aliment suffisait? Préparez des ingrédients à leur faire essayer. Ok. Le premier festin de plat électro a donc eu lieu. Ils étaient si délicieux qu'il n'en restait pas une miette. Les doutes sur leur efficacité persistent, mais au moins, les Zora se sont bien amusés. Nice. Inspection avant l'entraînement. L'entraînement à la remontée de cascade aura lieu au lac Lulu. Sidon voudrait effectuer des vérifications sur place, mais le linel du mont de la foudre rôde et risque de le repérer. Oh, mais on va le défoncer. Sidon a été félicité pour avoir terminé ses vérifications au lac Lulu. Il faut maintenant trouver quelqu'un maniant la foudre pour pouvoir s'entraîner sans se soucier du linel. Nice. Oh! Ok. Duel sur le mont de la foudre. Sur demande du domaine Zora, Urubosa a accepté d'aller abattre un linel sur le mont de la foudre. Faites des réserves de matériaux pour accroître sa force physique et la préparer au combat. Mada mada kore kara sa.
Urubosa a remporté haut la main son combat contre le Linel sur le mont de la foudre. Ceux qui veulent s'entraîner à la remontée de cascade n'auront plus à s'inquiéter de le voir débarquer. Génial. Yes! Les habitants de l'Anel vous ont fait un cadeau en signe de gratitude. Plus qu'un ici aussi, ça avance! La déesse sous la neige. Un voyageur recherche une statue de la déesse dans une région très enneigée. Vous avez aperçu quelque part un bloc de glace ressemblant à une statue. Faites-le fondre. Le bloc de glace recelait bien une statue de la déesse. Même la plus dure des glaces ne saurait résister au feu de la passion. Oui, deux cœurs en plus pour Link. Il est presque à bloc, mon amour. 77%. Ok. Alors, on a deux, trois quêtes annexes. Retrouvailles avec Mipha. Très bien, équipe fixe. Bon, je pense qu'on devrait pas avoir trop de problèmes. Ça a l'air d'être des ennemis classiques. Ok. Je crois qu'en arme, de toute façon, il a que la lance de cérémonie. Ouais. Bon. Allez, Shidan! Let's go! Alors, me faire avoir comme ça par des monstres, quel déshonneur. D'accord. Mais oui, t'inquiète pas, on va te protéger avec Shidan. Rendez-vous au domaine Zora. Oui. Mais encore. Oui. En effet, la porte est fermée. Wow! Hey! Ça se fait pas d'attaquer dans le dos comme ça. D'accord. Alors, le seul problème avec Shidan, c'est qu'en effet, ses attaques sont très stylées mais très longues. Ce qui fait que, au moment d'esquiver, j'ai un tout petit peu de mal. Ah ben voilà. Oh, il est quand même vraiment beaucoup très très bien. Très bien, on continue. Salut. Pardon, Shidan, pardon. Faut vraiment que je t'augmente, hein, surtout. Oh, qu'est-ce qu'il est cool. Ah, vraiment, vraiment, Shidan. I really like you. C'est bien. Oh là là. Ça s'est bien enchaîné. Bravo. On va retourner voir le monsieur en bas parce que je sais pas ce qu'il fabrique. S'il s'arrête à chaque fois qu'il y a juste un... Mais c'est ça en fait. Mais mec, tu peux pas l'ignorer en fait. Là. C'est bon? On peut y aller ou quoi? Bah. Quelle merveille. Vraiment le domaine Zora, architecturement, il est... incroyable. Mipha! Qu'est-ce qu'elle est si petite! Non mais, qu'est-ce qu'il fait lui? Non mais, sans déconner, il s'arrête à chaque ennemi. Oh, t'es relou mec, hein. Ah! D'accord. Génial. Je
sais pas comment j'ai fait, mais il faudra vraiment qu'on commence. Oh, Mifa! T'inquiète, on gère. Tu es stupide ou... J'ai bien cru qu'il allait t'avoir. Bon, c'est quoi? Arrête de bouger. Voilà. Bien joué, Shidon. J'ai pas vu son sourire, elle était pas du bon côté. Fichtre. Des sous, des sous. Oh, ça, ça va être bien pour l'augmenter. Escorte du prince. Oh. Ok. Link. My love. Et alors, il y a beaucoup d'électricité. On va te mettre quelque chose contre l'électricité parce que je déteste ça. Ça. Et on va te mettre un dégât plus 10% peut-être. Ou la jauge de coup fatal, je crois que je préfère. Voilà. Tu es prêt, my love? Let's go. Ah! Shidon! Matteo, Ishani, Koyo! C'est trop mignon comment il court, c'est mon petit sur patte! Je vais te protéger. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Où est-ce qu'il est l'autre connard? Oh. Je dois te calmer. Personne ne touche à Shidon. Bande de malapris. Voilà, c'est ça, mal appris. Shidon, reste à proximité, s'il te plaît. Probablement que lui aussi, il s'est arrêté avec... avec le seul ennemi qui doit rester sur le terrain. Ah non, c'est pas le seul! D'accord, mais Shidon, s'il te plaît. Tu veux vraiment faire place neuve? Bon. Si tu y tiens, mon cher prince, tes désirs sont des ordres. Voilà. Y a plus personne, je crois. Tu es content? Tu as l'air. Allez. Regardez comment il bouge. Comment ses petites fesses, elles bougent, c'est trop drôle. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est pas vraiment ses fesses, c'est sa... ses nageoires arrière, c'est trop rigolo. C'est trop mignon, ok. Je suis fan. Allez. Bim badaboum bim boum. Perfection, my love. Bon, là pareil, on va faire place nette. Oui, parce qu'on dit place nette et pas place neuve, n'est-ce pas? Je rêve ou il a avancé sans moi? Ah non, il a. Je disais, c'est bizarre. Ça. C'est juste qu'il y a deux ennemis par là-bas. Allez!
pas ce que je voulais faire. J'aurais aimé garder notre ulti, mais il faut croire que j'ai été un tout petit peu stupide sur les bords. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, une fleur. Ok. Oh, un linel de foudre. This is not going to end well. Je le déteste. Déjà, c'est un fait. Shidan, don't stay here. Yes. Ah. Well done. Même pas une petite pause combinée de la victoire. Tant pis. Pourquoi on a eu un truc pour l'évalu alors qu'on avait Shidan? Quelqu'un peut m'expliquer la logique? Oh. D'accord. Protection du domaine Zora. Ouh. Ouh, ça commence à devenir complexe. Allez. Let's try. Prenez le contrôle de tous les avant-postes. Très bien. On est déjà séparés en deux. C'est très bien. Donc on va jongler. C'est parti. Mais bon, pas pour longtemps. Ah mais c'est bon, j'ai réussi. Qu'est-ce qu'on continue à faire ça, Link, chérie, amour de ma vie. Tu aurais pu me prévenir. En utilisant Link. Ok. Boku no waza, misete agareru yo. Allez. Parfait. Ouh. C'était quand même juste, mais on a réussi. Il y en a un, il est bloqué dans la porte. Niveau 90. My love. Parfait. Pas mal.